Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Exilas Gaming et aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie du DLC Okai, qui est la partie numéro 3, je précise encore une fois. La partie 2, c'était, bien sûr, Kate Bishop, et la partie 1, c'était l'histoire principale du jeu. Vous êtes prêts? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle mission. On va aller chercher, soi-disant, du matériel pour faire ce pont temporel pour amener le Queen Jet. Donc, on va bien voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas où est-ce qu'on en est niveau progression. Ah ben voilà, c'est marqué là-haut, 63% de terminé. Donc je pense qu'encore une ou deux vidéos et on sera bon. Donc c'est parti pour cette mission. C'est parti. Ah là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Les petits monstres là, comme ça, les énormes monstres plutôt. Qui sont gigantesques. Oh, quelle image, quelle image! Je peux vous dire, c'est la miniature. Je peux vous le dire, vous le savez déjà parce que vous avez cliqué dessus, mais c'est la miniature. C'est la miniature. C'est magnifique. C'est la miniature. La miniature. Waouh. Il est beau gosse hein, quand même. Est-ce que c'est comme dans les films aussi? Il faut qu'il ait suffisamment de vitesse pour passer le pont temporel. Ouais, je pense que oui. Alors, sélection du héros. Bien sûr, je vais garder Okai tout simplement parce que c'est le personnage principal. C'est pas celui que j'ai envie de prendre, mais c'est le personnage principal. Et enfin, ouais, ceux-là, bon, bah, c'est les meilleurs hein, pour moi. Donc c'est ceux que je vais utiliser. Peut-être qu'à la limite, Miss Marvel est plus forte que Thor. Mais Thor est plus classe quand même. Faut avouer, il est quand même beaucoup plus classe. Ah, Kate Bishop a remplacé Thor. Pourquoi? Ah, bah, peut-être parce qu'elle est obligée d'être là. C'est pas plus mal qu'ils aient gardé Hulk et Iron Man parce que c'est ceux que je voulais en priorité. Et après Thor. J'ai laissé Fury dans le futur quand j'ai repris le pont temporel. S'il est vivant, je le ramènerai. Alors on pourra utiliser ce projet Omega pour empêcher l'apocalypse. Et s'il est pas là? Kate. Les plans de secours de Nick Fury ont leur propre plan de secours. Si quelqu'un peut survivre à la fin du monde, c'est lui. C'est pas faux. Trouvons-le. Eh, pourtant c'est faux. Je suis désolé de le dire ça, mais c'est faux. Je vous rappelle qu'il est bien mort quand même dans Infinity War. Bon, c'était pas de sa faute, mais... Il n'y a pas de fin du monde pour lui, si, parce que sans les autres Avengers, il serait pas revenu, donc même Nick Fury a ses failles, donc faut arrêter là de dire que Nick Fury c'est le meilleur, c'est pas vrai. Oh, ah bah c'est là où, dans le premier épisode, d'accord, mais il vient de là alors, elle vient de là cette scène, je comprends mieux maintenant. J'ai l'impression qu'on y est, bien joué Pym. La vache. Jusqu'à la mort, futur imparfait. Terre désolée du futur. Ok, je comprends mieux maintenant. Je pense qu'ils ont voulu faire un peu comme dans Endgame aussi, hein, jouer avec le présent, le futur, le passé. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais je pense que c'est dommage vraiment qu'ils aient pas... Je sais pas si c'est une question de droit ou quelque chose. Est-ce que ça ressemble à ton rêve? Mais que ce soit pas entièrement lié. Ce serait marrant si ce serait vraiment tout lié. Certain que c'était pas qu'un rêve. Je suis déjà venu ici. Clint, t'as jamais quitté ton lit sur le Chimère? Ouais, je sais. Pas physiquement. J'ai l'impression de connaître cet endroit. De pouvoir suivre cette route. Un tas de caillasses. Formidable. Là, il y a quelque chose. On n'a plus qu'à faire un détour. Bon, y a rien du tout, je vais aller directement à l'objectif principal. Parce qu'il faut gagner du temps. Donc je vais essayer de gagner du temps comme je peux. Et déjà, encore des petites ressources par ici. Ici alors. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a par ici, à part un petit coffre? Il y a rien du tout. Voilà. Une nouvelle petite tenue. Là-bas, il n'y a que dalle. Toujours fouiller les environs, les gars, c'est très important. Si vous voulez améliorer votre perso aussi fort que le mien, il faut bien sûr fouiller. Sinon, vous l'aurez pas sans fouiller. C'est logique pour moi, mais c'est comme ça. Pareil pour les ressources, hein. Pensez vraiment à les récupérer, c'est important. Quand vous en voyez, ça sert à rien de faire des détours pendant 40 minutes pour chercher des ressources sur toute la map. Mais celles que vous voyez, profitez-en et récupérez-la. Enfin, les, plutôt. Oui, les. Oh. Des cibles faciles. Oh, il y a du peuple! L'IM a survécu à l'apocalypse? Pas sûr. Mais débarrassons-nous de cela avant qu'il s'y mette en présence. Ok.
Il y a encore des petites ressources. Ah, j'ai hâte des nouveaux DLC. Sérieusement, hein. J'ai vraiment hâte. Déjà, parce que j'ai envie de voir si c'est Black Panther. Si un jour il y aura l'arrivée aussi de Peter Parker. Parce qu'on rappelle que ça fait je sais pas combien d'années qu'on l'attend. Et qu'il est toujours pas là. Ça fait déjà un an ou deux ans, mais bientôt. Il est marqué sur la boîte comme exclusivité PS4. Mais il est toujours pas sorti. Laissez-moi pareil, c'est le même décor que tout à l'heure. Il y a pas de coffre. J'allais dire il y a un coffre du coup, mais. Ah si! Eh ben vous savez quoi? J'allais partir. Mais comme quoi? Comme quoi, il est important de venir dans les endroits comme ça. Et j'ai eu une petite flèche en plus. Bien sûr, je vais aller voir tous les points d'interrogation. Les points d'interrogation sont plus importants que chercher dans tous les tunnels. Hein. Ah là-bas, il y a un ennemi à tuer. Si c'est encore un adaptoïde de truc de lave, là, je sais pas quoi. Je pense pas que c'est ça. Mais si c'est un de lave, ça devrait être assez simple. Je vais aller directement sur lui parce que j'ai pas le temps d'attendre. Et c'est un truc de glace. Ou c'est un normal peut-être. Ah, c'est un normal, donc ça va. Ça va être assez simple. Normalement, j'y dis bien. Il prend cher. Il prend cher, mais je prends cher aussi. Et grâce à Hulk, encore une fois, hein, parce que c'est lui qui fait tous les dégâts majoritaires. C'est pour ça que Hulk, je crois que Hulk, c'est mon perso le plus élevé. Il est vraiment extrêmement puissant. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté. Ok, on peut pas y aller tout de suite, malheureusement. Donc, va falloir que je fasse le tour. Donc, en fait, c'est là où il y a le deuxième point. Donc, j'ai perdu mon temps. Je suis désolé. Que fait la hyène dans une station-service? Je sais rien. Allons voir, ok? Voilà ce que j'appelle un environnement riche en cibles. C'est trop facile. Ça suffit. Ah! Oh, il y a deux monstres! Oh, il y a deux adaptoïdes de lave! Pas de feu! Ok, je vais me concentrer sur un, sinon ça va être. Oh purée, mais. Ok, je vais mourir. J'ai pas le choix de faire ça, sinon je meurs. Boum! Tac! Bam! Wow! J'ai mal au crâne. Ok, pas de compétences gagnées. Comme si j'étais ailleurs. Ah, tous ces voyages dans le temps, c'est pas bon pour la santé. Je pense que ça vient de cet endroit. Essayons de trouver quelque chose d'utile. Allez. Ok. 20 mètres. Ici. Waouh! Regarde, c'est le logo de Hawkeye. Et la peinture a l'air fraîche. Les robots ont dû suivre la personne qui a fait ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Y'a l'AIM qui me poursuit! Qui est là? Où êtes-vous? Les robots m'ont coincé. Près du camion, au bord de la route. Ok, tenez bon. On arrive. Il émet sur une fréquence du shield. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Vite, retrouvons-le! Avengers? Je suis mort? Oh mon dieu, je suis mort. Pas encore. Vous êtes sauvés. Ok. T'es sauvé, mon gars. Merci, bonsoir. On s'est occupé de l'AIM. Ça va? Ça va, merci. Ils ont bien failli m'avoir. J'arrive pas à croire que ce soit vous. Ok. Vous pouvez peut-être nous aider. Vous êtes du Shield, c'est ça? On cherche Fury. Comme nous tous. Ok. Développez. Repoussez-les aussi longtemps que vous pouvez. On va y arriver. On n'a pas le temps.
Les amis sont là, dehors. On a été séparés. Ils sont de l'autre côté de l'arche, sur votre droite. S'il vous plaît, aidez-les, et on vous dira tout ce qu'on sait. Ok. Faut aller là-bas. Apparemment, l'invasion n'a pas tué tout le monde. On va peut-être enfin avoir des réponses. Ouais, mais dépêchons-nous avant que plus personne à qui parler. Et il y a un coffre. Parfait. Alors avant d'aller au point, je vais faire le point de droite au moins, avec le coffre. Je vais aller là-bas. Ah super, c'est un endroit comme ça, ok. J'aime pas du tout, mais c'est pas grave parce que c'est long. Je préférais récupérer le coffre direct, mais bon, tant pis. Parce que je vais éviter les embrouilles. Je vais plutôt aller direct à l'essentiel. Là, je vais récupérer ça. Je peux pas. Il y a trop de monde. Coffre. Voilà. Ensuite. Là, il y a encore un coffre, j'ai vu. Là, voilà, il y avait des ressources dans le premier épisode, je m'en rappelle. Parfait. Ensuite, là. Tac, pensez à tout prendre, hein, bien sûr, à chaque fois. Et voilà, c'est tout. Ok. Je vais faire un tour parce que j'ai des nouvelles améliorations. Donc, et j'en ai beaucoup en plus. Alors, attendez, ça, si je l'améliore, ça va être mieux. Ça, c'est bien. Et ça, c'est pas très bien. Donc, on va partir sur ça. Et je vais l'améliorer. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, donc là, normalement, j'ai presque rien de meilleur niveau attaque corps à corps. Donc, je peux le supprimer. Voilà. Ensuite, là. Non. Non. Et non plus. Ok. Et là. Même c'est le corps à corps, je suis plus fort en défense, mais c'est le corps à corps qui me gêne, donc non. Désolé, mais je vais pas le faire. Ensuite, tac, tac, ah ça. Je vais l'améliorer, et je vais... Ouais, et je vais garder quand même l'autre en mémoire, parce qu'il est fort pour l'instant, et au pire, je le supprimerai plus tard. Donc c'est celui-là que je supprime. Voilà. Donc ensuite, il y a un autre point, on va aller là-bas plutôt. Enfin, on va aller là d'abord, je veux dire. On va s'occuper de ça. Et il faut les défendre, c'est ça? Voilà. Boum. Les Avengers. Je pensais à dessiner. Faut qu'on bouge avant que ces mercenaires trouvent notre base. On a aperçu une patrouille le long de l'autoroute. Mercenaires? Les serviteurs du chef suprême. Le suprême quoi? Le chef suprême est un mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il contrôle la majorité des terres désolées d'Amérique. Cette région comprise. Un chef suprême? On est là. C'est pas une apocalypse, c'est un dictateur amateur. Un chef suprême. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? Ah bah c'est Monica, non? Le chef suprême. Ça doit être certainement ça, hein, après. Je sais pas. Je pense que c'est Monica. Parce que c'est elle le problème. C'est elle qui a voulu recommencer après Tarleton, donc ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est effectivement Monica, on verra, mais je pense que c'est elle. Et le 4, voilà, il est là. Hop, nickel, parfait. Et un giga coffre, avec normalement une belle armure. Ok, alors, ça, équipement. Alors là, j'ai un nouvel artefact qui améliore la défense, mais qui réduit l'attaque corps à corps. Il augmente un petit peu, mais bon, au bout de très longtemps, quoi.
Enfin, qui le réaugmente, quoi. Ok. Je pense que je vais le prendre. Et en plus, il a ça. Ok, donc je vais le prendre. Comme ça, ça me donnera encore mieux. Et ça, je vais le supprimer. Ok. Eh bien, on est pas mal. Franchement, au niveau de l'équipement, on est pas mal. Sachant que moi, je suis en train de faire tout le DLC d'un coup. Hein. Vous voyez, en plusieurs jours, moi, c'est d'un coup. Donc, c'est pour ça. Je suis content. Parce que j'ai vu la progression en 1h30. Ennemi en approche. J'ai les mercenaires en visuel. Visez-tir, Kate. Oh, il y a du monde. Il y a du monde de fou. Boum. Yes. Mercenaire neutralisé. Merci. En charge de nettoyer cette zone. Niveau 6. La planque est au bout de la route. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Comment vous pouvez savoir que je cherche Fury? Vous verrez. Alors, je sais que c'est par là-bas. Je vais aller voir juste par les bâtiments. Ouais. Trouvons cette planque. On doit s'assurer que ces gens sont en sécurité. Ok. Je vais juste aller voir ce qu'il y a. C'est un peu flippant. Qu'ils soient eux aussi à la recherche de Fury. Plus rien me surprend quand on parle de Fury. Mais ouais, ça me fait flipper un max. Ok, j'entre. La route se termine là. Jetons un œil dans le coin. Comment on ouvre? Comment on ouvre? Ben par là. Un mémorial. Quoi que j'ai pu imaginer, ce qu'ils ont traversé a été bien pire. On peut encore empêcher tout ça de se produire. Je sais, on le fera. Ou alors on ajoutera nos noms à cette plaque. Oui, mais leur réalité à eux, ils ont déjà subi ça. Hein. Ça va changer la vôtre de réalité, mais pas celle-là. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Ah, les Avengers sont enfin arrivés. Entrez. Une porte secrète? La classe. Ça, c'est signé Nick Fury. Ok. Oh, oh. Ce qu'on a entendu à la radio. Bienvenue, bienvenue. Ça va? Salut. On cherche Fury. Des amis à vous nous ont dit que vous pourriez peut-être nous aider. Le patron le cherche aussi. Il a dit que quelqu'un viendrait nous aider. J'imagine que c'est vous. Vous devriez jeter un œil à la plaque juste là. Merci. Ok. Mon modèle préféré. Quelqu'un ici a d'excellents goûts. Ton modèle préféré. Ok. Faut certainement trouver le patron. Félicitations. Vous êtes arrivé dans le futur. Je suis absolument ravi. Nick Fury serait très fier, 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 fier. Fier. Ok, mais il faut aller où, moi? Je sais toujours pas, hein, je suis bloqué là. Là? Je crois qu'on a quelque chose. Ouais, c'est là. Hein? Inspecter la planque. Ah, bah c'est bon. 33 mètres. Toi, j'y suis. Vous pensiez que le chef suprême vous avait pas remarqué? Taskmaster? Je vais vous éliminer. Taskmaster? Hé, hey, regarde. Ils sont aussi choqués que moi. C'est un agent du Shield renié et super moche. Ah, certaines choses ne changent jamais. Qu'est-ce qu'il fout là? Choqué de le voir là. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il fout ici, ce con? Pardon, excusez-moi. Je... Oh là là! Oh là 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 là! Vous savez que j'ai plus de vie, hein, donc. Je suis obligé
d'esquiver tout. Sinon je vais crever. Excusez-moi, encore une fois, téléphone. Ah. Bon, on va vous éclater les gars. Vous pensez que c'est la fin là? Non, ça m'étonnerait. C'est possible hein, mais ça m'étonnerait parce que on était à 63%. Oh, il y a un dreadbot, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu. Je vais m'occuper des drones aussi, voilà. Et de lui en dernier. Grâce, je m'en occupe encore une fois. Et là, on peut le terminer d'un coup, je pense. Yes! C'est qui ce vieux clodo? J'en sais rien, mais j'adore sa chemise. Ah, mais c'est lui du futur! Tu es vivante. Eh bien, je suis devenu bien vieux et laid. Tu n'es pas devenu laid, gamin. Bon, au moins ça explique la flèche électrique. Et l'arc. Et l'océan de sentiments refoulés. Ah, tu m'as manqué. Je t'ai manqué. Attends une seconde. Pourquoi t'as dit tu es vivante? Est-ce que... Ouais. Oh... On n'a pas pu arrêter l'invasion. Tout le monde est mort depuis des décennies. Cool. Comme si ce futur dystopique n'était pas déjà assez déprimant. Ouais, bah, on est là pour l'empêcher. Donc par où on commence? Retournons à la planque, gamin. Bah, je te rappelle que c'est toi, alors le critique pas. Tu te critiques toi-même. Fury était impliqué dans le projet Omega juste avant la guerre. Je parie que ces données pourraient nous aider à le trouver. Ça fait combien de temps que tu le cherches? Depuis que tout est parti en vrille. J'avais pris ma retraite comme on l'avait prévu. Et puis Fury est venu demander mon aide pour la guerre à venir. Quoi? T'as pris ta retraite? Quand ça? Quand on a résolu toute cette affaire autour du projet Omega. J'allais t'en parler, tu sais, Si ça peut t'aider. Elle l'a pas bien pris non plus quand je lui ai annoncé. J'arrive pas à y croire. Tu nous quittes? Enfin, tu nous as quittés? Ah, je m'y perds. Mais t'es revenu, pas vrai? Pour nous aider à combattre les cris. Non. J'ai dit à Fury que j'étais fini. Que vous n'aviez pas besoin de moi. Évidemment qu'on a besoin de toi. Je serai pas justifié aujourd'hui. C'est une longue suite d'erreurs. Depuis la guerre, je cherche Fury. Pour voir si je peux me faire pardonner. Alors, c'est ça, notre plan? On a triangulé une position grâce à vos données. La sous-station 99. Hmm. C'est sans doute la dernière position connue de Fury. Et il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Ok, mettons-nous en route. Mais il n'y est toujours pas allé? On en parlera quand tout sera terminé. Je comprends rien. Le mec, ça fait 10 ou 15 ans qu'il le cherche, Fury. Et du coup, en 10 ou 15 ans, ou peut-être même plus ou moins, je sais pas. Depuis tout ce temps-là, il a toujours pas fait les trucs principaux. Pour moi, en 10-15 ans, t'as fait le tour, hein, mais... Bon, bah voilà, mission terminée. Juste avant l'invasion, tu penses qu'on pourra le retrouver? C'est l'idée, en tout cas. Et qu'est-ce qu'on fera s'il est... Non. Mon instinct ne se trompe pas. Fury est là, dehors. J'ai pas l'impression que suivre notre instinct nous a beaucoup aidé. J'ai pas de meilleur plan, alors. Ok. Bon, on va faire un dernier tour là, et après on va clôturer cette vidéo. Ça, si je l'améliore. Je ne sais pas. Est-ce que ça va améliorer encore? Bon, je vais le mettre, parce que voilà. Mais l'attaque corps à corps, c'est un peu plus important pour moi.
La défense. Non. Non, 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 je vais pas le mettre. Ça, je vais le mettre. Parce que l'héroïque, encore, je peux le monter un peu. Donc, je vais passer à 15, je pense. Même pas. Ah ouais! D'accord. J'ai pas bougé. Et enfin, ça, équipement, machin, truc. Et là. Ok, bon, on va prendre... je sais pas, hein, parce que le problème, c'est ça, quoi. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais. Et je vais l'améliorer. De toute manière, ça changera pas grand-chose, quoi. Au niveau du corps à corps, je vais pas pouvoir augmenter plus. Je le sais déjà. Donc, ça, je vais pouvoir supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est pour les équipements. Ensuite, pour ce qui est de compétences, je vais mettre mon point ici. What? Maintenez triangle pour tirer une flèche qui se fragmente en se... D'accord. Attaque lourde. Ok. Bon, bah, c'est tout. Continuez. Continuez, continuez. S'il faut, il y a une mission... Enfin, une... Comment ça s'appelle? Ah! Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Vous pouvez pas m'aider, mais aidez-moi quand même. D'accord. Lancer la mission à direct là. Ok, bah alors si je lance la mission, c'est direct, on va clôturer maintenant quoi. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.